Bonjour à tous et bienvenue sur CBM. Dans cette vidéo, je vous propose les corrections de dossier de CAPES de mathématiques session 2018 ayant pour thème les suites et les équations. Voici l'énoncé du premier problème. Dossier CAPES de mathématiques 2018, problème numéro 8. L'exercice. Pour tout entier naturel n, non nul, un est le nombre dont l'écriture décimale est donnée par l'expression suivante. Un est égal à 1, 1, 1, n chiffre 1. On définit alors la somme Sn par Sn est égal à 1 plus 11 plus 111 plus etc. plus 1, 1, 1, n chiffre 1. Par exemple, U3 est égal à 111 et S3 est égal à 123. Quelle est l'expression de Sn en fonction de n? Élève 1. J'ai rédigé le programme suivant en langage Python. Je l'ai testé avec différentes valeurs de n. S1 est égal à 1, S2 est égal à 12, S3 est égal à 123 et S7 est égal à 1 234 566. En juxtaposant tous les entiers inférieurs à n, j'obtiens S indice n est égal à 1, 2, 3, 4, etc. n. Élève 2. J'ai calculé un est égal à 10 puissance n moins 1 sur 1 pour tout n appartenant à n étoiles. En remplaçant dans S indice n, j'obtiens S indice n est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 10 puissance k moins 1 sur 9, est égal à 1 neuvième, facteur de 1 moins 10 puissance n sur 9, moins 1 sur 9. Pour tout entier n appartenant à n étoile, S indice n est égal à 1 sur 81, 10 puissance n moins 2. Le travail exposé devant le jury. 1. Analyser les démarches de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur, ainsi que l'accompagnement que vous pourriez leur apporter. 2. Présenter la correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de première santé. 3. Proposer deux exercices sur le thème suite, permettant notamment de développer les compétences chercher et calculer. Analyse didactique du dossier. Donc, un exercice sur les suites, donc somme d'une suite, un terme géométrique. Alors, l'élève 1 nous propose un algorithme. Donc il a différents résultats, mais ici le conjecture est fausse parce que S indice n est égal à n'est pas égal donc ici à 1, 2, 3, 4 et après n. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. etc. Donc on verra ça tout à l'heure dans la correction, comment on va pouvoir modifier la conjecture de l'élève 1. A noter que l'élève 1 propose donc un bon algorithme, un algorithme correct, car il trouve S1 est égal à 1, S2 est égal à 12, S3 est égal à 123, et S7 est égal à 1 234 567. Donc cette conjecture est valable pour N allant de 1 jusqu'à 9. Élève 2, donc UN, il a trouvé une bonne conjecture pour UN, donc bonne formule pour UN, mais par contre, le calcul de SN est à revoir, donné donc les propriétés de symbole somme et aussi les formules de somme géométrique, donc somme de termes de suite géométrique. Donc ici, la réponse est à revoir. L'élève 1 donc, propose un algorithme sur Python correct. La conjecture est incorrecte, faudra tester pour S10. Élève 2, la formule de Sn est fausse, il faudra reprendre les propriétés du symbole somme et la définition suite. Une somme géométrique. Correction du problème. On va reprendre l'algorithme de l'élève 1. On va ajouter un script. On va l'appeler ma suite. Et donc, on va faire ici for donc s égale à 0, for k une range 1 n plus 1, mettre s égale à s plus 10 fois 10 puissance k ici moins 1 divisé par 9. Et on va retourner s. Print s. Et donc, on voit les différentes valeurs. Donc, 1, 12, 123, 4, donc 234,
12345, etc. jusqu'à 9. Et après, on voit, on aura 00, 011, 0122, 01233, 012344, etc. Donc ici, il faudrait revoir SN. Et il n'y a pas vraiment, donc ici on aurait 2, 0, ensuite 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 2. Donc voilà pour la conjecture avec le algorithme Python. Mais ici, donc il faudrait trouver une formule générale, comme l'a fait l'élève de UN. C'est égal à UN, c'est somme de K allant de 1 jusqu'à N, de K allant de 0 jusqu'à N-1, de 1 fois 10 puissance K. 1 fois 10 puissance K. Donc c'est U1, ça va être 1. Donc c'est 1 fois 10 puissance 0. U2, c'est 11. C'est égal à 1 fois 10 puissance 1 plus 1 fois 10 puissance 0, etc., etc. Donc ici, on aurait 1 somme de K allant de 0 jusqu'à N-1 de 10 puissance K. Et ici, on utilise la formule sommes termes géométriques. On aurait 1 moins 10 puissance n, donc le premier terme qui n'est pas dans la somme, sur 1 moins la raison. Donc ici on aurait moins 9 et ici on aurait moins quelque chose, donc on va pouvoir faire moins sur moins plus. 10 puissance n moins 1 sur 9. Un est égal à 10 puissance n moins 1 sur 9, donc ce qui valide la première réponse de l'élève. Alors maintenant on va calculer S indice n, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n des uk, ou encore somme de k égale à 1 jusqu'à n, 10 puissance k moins 1 sur 9. Si on sépare la fraction en deux, somme de k égale à 1 jusqu'à n de 10 puissance k sur 9, moins somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 neuvième. Donc là, il y a n termes 1 neuvième, donc c'est n sur 9. Et ici, on va pouvoir dire que c'est 1 neuvième, somme de k égale à 1 jusqu'à n, 10 puissance k sur 9, moins n sur 9. Donc c'est égal à 1 neuvième. Ici, on veut retrouver somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, donc on va sortir un 10 dans la somme, donc 10 neuvième, somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, de 10 puissance k, moins n sur 9, et ici ça nous donne 10 neuvième, facteur 2, ici 10 puissance n moins 1 sur 9, on retrouve la formule un en fait, moins n sur 9. 9 fois 9, 81, donc on va pouvoir mettre tout sur 81, tout sur 81. 10 fois 10 puissance n, c'est 10 puissance n moins 1, n plus 1, moins 10, moins. Ici, pour avoir un dénominateur de 81, il faut multiplier par 9. Donc ici, moins 9n. On peut vérifier la conjecture. Donc pour n égale à 1, 10 puissance, alors 10 puissance, alors 10 puissance 2, moins 10, moins 10, moins 9, sur 81, on trouve bien 1. Alors pour S5, donc ce serait 10 puissance 6, moins 10, moins 9 fois 5, divisé par 81. On va trouver 12345. On peut vérifier avec Python. Donc si on fait la suite, on va pouvoir dire S c'est égal à 10 puissance. Donc ici, k plus 1, moins 10, fois moins 9 fois k, donc sur 81, et là on va trouver les résultats précédents. Donc, cette formule, c'est bien S indice n, 10 puissance n plus 1 moins 10 moins 9 fois n sur 81, ce qui conclut la résolution de notre problème. Problème de CAPES de mathématiques, session 2018, problème numéro 11. L'exercice. Soit K un réel avec K
supérieure stricte à 0. On considère la fonction f indice k définie sur l'intervalle 1 plus infini par f indice k de x est égal à x moins k ln de x. On note ces k, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donné selon les valeurs de k, le nombre de points d'intersection de ces k avec l'axe des abscisses. Les réponses de deux élèves de terminale scientifique. Élève 1. En utilisant un logiciel de géométrie dynamique, je trouve que si k est compris strictement entre 0 et 271, alors il n'y a pas de solution. Si k est supérieur strict à 271, alors il y a deux solutions. Élève 2. On cherche à résoudre l'équation f de x est égal à 0 si et seulement si x sur ln de x est égal à k. Je pose g de x est égal à x sur ln de x. Et j'utilise la fonction g. Si g de x est égal à k, alors g' de x est égal à 0. On calcule, g' de x est égal à ln de x moins 1 sur ln de x tout au carré, égal à 0. Donc, x est égal à exponentielle de 1, et après je ne vois pas. Le travail est exposé devant le jury. 1. Analyser les démarches de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Vous préciserez les conseils que vous pourriez leur apporter. 2. Présenter une correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. 3. Proposer deux exercices sur le thème problème conduisant à la résolution d'équations, dont l'un au moins permettra de modéliser une situation extérieure aux mathématiques. Analyse didactique du dossier. Donc ici, on a un exercice donc ici qui va nous faire utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On va voir g de x est égal à k, en fait. Et donc, résolution d'une équation par le théorème des valeurs intermédiaires. Ici, les deux élèves nous proposent des rédactions. Premier élève, sur un logiciel de géométrie dynamique, il a trouvé quelques conditions sur k pour qu'il n'y ait pas de solution et deux solutions à l'équation. On va essayer de visualiser cette conjecture avec GeoGebra tout à l'heure. Bien entendu, là, il faudrait qu'il passe à la démonstration en utilisant, donc, en résolvant donc, g de x est égal à k et avec, donc, ici, l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Élève 2, on cherche elle résout l'équation f de x égale 0, x sur ln de x égale à k. Donc là, il a fait un lien entre le nombre de points de ck avec l'axe des abscisses et la résolution de f de x égale à 0. Donc il dit g de x est égal à x sur ln de x, donc g de x est égal à k. Ici, g de x est égal à k, alors g' de x est égal à 0. C'est une implication fausse, donc ici, bah, il ne trouve rien, c'est normal. Ici, il va falloir étudier les variations de la fonction g et dresser le tableau de variation et utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour arriver au nombre de solutions de g de x est égal à k. Ici, l'élève 1 il a fait une conjecture sur un logiciel de géométrie dynamique. La conjecture est plutôt correcte, mais il faudrait rédiger une rédaction pour démontrer cette conjecture. Donc ici, pensez au théorème des valeurs intermédiaires. Élève 2, lien intersection CK et axe des abscisses avec f de x est égal à 0, c'est très intéressant. L'implication est fausse, g de x est égal à k implique que g' de x est égal à 0. Ça c'est faux, mais la dérivée qu'il trouve est correcte. Il faudrait établir le tableau de variation et utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Correction du problème, donc on va faire une petite visualisation du problème sur GeoGebra. Donc la fonction c'est, donc ici il va falloir faire un compteur k allant de 0, donc k supérieur à 0 jusqu'à, on va dire, 20 avec un incrément de 0,01. Ok, et on va tracer la fonction f est égal à x moins k ln de x, k fois ln de x, et on regarde quand est-ce que l'amplitude pourrait être paire intersection f de x avec axe x. Donc ici,
Hop là, on aurait donc au-dessus de 2,7, on aurait deux points d'intersection. Donc la deuxième intersection, elle est là. Alors ici, donc visualisation. Donc quand k est supérieur, donc quand k est inférieur à 2,7, on n'a pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Ensuite, supérieur à 2,7. Donc ici, E, c'est 2,71. Eh bien, on a deux points d'intersection. Donc, quand X est égal à, quand K est égal à E, on aura un point d'intersection. Exponentielle de 1. Voilà. Et là, donc, pour K égale à exponentielle de 1, on aurait un point d'intersection. L'axe des abscisses serait tangente à la courbe. On va démontrer cela. Donc, en faisant l'étude de variation de g de x est égal à x sur ln de x. Alors, ici, k de x, hein, c'est donc x moins k ln de x. Donc ici, fk de x égale à 0, c'est seulement si x moins k ln de x égale à 0. X est égal à k ln de x. Ou encore, x sur ln de x est égal à k. On va poser une pause. G de x est égal à x sur ln de x. Donc, soit à résoudre g de x est égal à k, donc ça on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici g prime de x, donc u sur v, u de x égale à x, v de x est égal à n de x, u prime de x c'est 1, v prime de x c'est 1 sur x. Donc u prime 1 fois ln de x moins x sur x, 1, sur ln de x au carré. Alors ici, on veut les variations, donc ici g' de x supérieur ou égal à 0, donc ln de x au carré c'est positif, donc c'est ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ln de x supérieur à 1, x supérieur ou égal à e de 1. Alors on va tracer le tableau de variation de g. Ici, fk de x est défini sur moins 1, donc sur 1 plus infini. Donc la fonction g est définie sur 1 plus infini. Sur 1 plus infini. Donc ici, x de 1 à plus infini. 1 non compris, double barre. Ici, g' de x. On a dit que c'était positif entre e et plus infini. E et plus infini, c'est positif, ça s'annule en e, et c'est négatif entre 1 et e. Donc g, variation de g, décroissant, croissant. Et ici, g de e, c'est e sur ln de e c'est 1, ici, e. Donc là, on aura plus infini, plus infini. Alors maintenant, vous voyez que quand k est inférieur à e, eh bien, donc g de x est égal à k n'a pas de solution. Donc ici, on va pouvoir dire g est continu sur l'intervalle 1 juste infini. Sur 1, e, la fonction g est strictement décroissante. On a limite quand x tend vers plus 1 plus de g de x est égal à plus infini. Et g de e est égal à e. G de e est égal à e, donc si k supérieur à e, alors il existe une unique solution sur 1e pour l'équation. Donc une unique solution, on va dire alpha. Alpha
un unique nombre alpha, un unique nombre alpha sur un E vérifiant. Vérifiant G de alpha est égal à K, ou encore F de K alpha est égal à 0. Pareil sur E plus l'infini, la fonction G est strictement croissante. On a G de E est égal à E, et limite quand X tend vers plus l'infini de G de X est égal à plus l'infini. Donc si K supérieur à E, alors il existe un unique nombre bêta sur 1 E vérifiant G de bêta est égal à K, ou encore G de F de K bêta égal à 0. Si K égale à E, il existe une unique solution gamma pour l'équation F de G de gamma est égal à K, ou encore FK gamma est égal à 0. On a de plus gamma est égal à E. Ainsi, donc il y a deux solutions si K strictement supérieur à E, et si K égale à E, il y a une solution. Si K est strictement inférieur à E, 0 et 2 exactement, alors il n'y a pas de solution pour f de k est égal à 0, donc f de k de x est égal à 0. Ce qui conclut donc notre problème.